Bonjour à tous et bienvenue sur Yami Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose cette recette facile et rapide de biscuits au raisin et au chocolat. Cette recette est très délicieuse et tout d'abord, je vous montre comment c'est à l'intérieur. C'est très moelleux, ils sont très bons. Passons à la préparation. Et pour ça, il vous faudra 250 g de farine. Une pincée de sel, 2 cuillères à café de levure en poudre ou levure chimique, 80 g de beurre, 80 g de sucre, 3 cuillères à soupe de raisin sec, un œuf, 4 ou 5 cuillères à soupe de lait. On commence par tamiser la farine, la levure et le sel. On incorpore le beurre, on ajoute les raisins secs, le sucre et un peu d'essence vanille et on mélange. Battez l'œuf avec le lait et versez-le dans le mélange de farine. Mélangez bien à l'aide d'une fourchette jusqu'à ce que la pâte se détache des parois du bol. Là, ça commence à se détacher. Et voilà. Et là, c'est du chocolat en barre que j'ai concassé et je vais l'incorporer dans la pâte. Je vais dresser des petits tas de ce mélange sur une plaque chemisée et laisser dorer au four pendant environ 15 à 20 minutes à 180 degrés. Je vais les façonner ainsi. Juste dresser des petits tas sur votre plaque à l'aide d'une cuillère. Que j'aime, c'est leur petit côté rustique. Et voilà, je vais les enfourner à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Ils sont super bons. Ils sont super bons. Délicieux. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour des nouvelles recettes, pour des nouvelles et délicieuses recettes sur votre chaîne Yami Cuisine.